Ça va super et Coca, le père de Coca en prison, ça va? Ah, il s'est suicidé hier soir. Oh merde, ton fils va vouloir se venger. Ah bah ton fils. En plus, j'ai pas fait ça. J'ai pas fait ça contre Coca, enfin, j'ai fait ça pour protéger la société de son immonde de père. Ouais. Tous les deux est arrêté, père en fils. Ouais, des fous. Je pense que ça va faire. Hein. Encore en retard et toujours accompagné de ce conflit. Redis-moi si je suis contente de te voir. Tu vas être un sujet exactement dans notre discussion. Je dois te parler de notre fils, Hubert. Tu pourrais pas y acheter la grappe un moment? Tu n'as toujours pas décidé de mûrir. Je vois maintenant pourquoi notre fils Brian est comme ça. Ça amène quelque chose à écrire, notre tête. Voilà, Brian a eu encore un mauvais bout de temps. Alerte à la population. Un séisme de magnitude 7 a lieu dans l'océan Atlantique à l'est des États-Unis. Celui-ci a déjà déclenché un énorme tsunami. Les villes de Miami et de Jacksonville ont déjà été ensevelies par les vagues. Les habitants de Washington doivent fuir vers l'aéroport le plus proche afin d'échapper à cette catastrophe naturelle. Enfin, cette catastrophe naturelle, je vais pouvoir me venger de ma fille Hubert. C'est de salopards qui nous prétend demain. Brian, gros-toi, il faut partir filer à l'aéroport. Viens, chérie, viens. Ben non, hein, je fais une super partie, je peux pas lâcher maintenant. Non. Je vais gagner, tu il faut tout que de je suite. Sauvegarde. Oh, il y a intérêt à ce que ce soit intéressant, hein, parce que franchement, me laisser abandonner comme ça ma partie, ça se fait pas. Brian, ouais, faut pas brusquer le règne, c'est la nuit, forcément, dépêche-toi. Hein. Merde, merde, la porte est bloquée, impossible de passer, il y a des chaises derrière. Passer par la salle. Allez, allez. Ah, pas possible de passer. Faut comme Ah merde, ils sont partis par là, j'espère qu'on me plante pour la route fonctionnera. Thank you.
menace, Marotte. Pourquoi la violence là? Ça va bien dit, Hubert. Elle va pas te menacer le verre d'écouter. Faut se mêler de ses affaires. Putain, mais au fait, j'ai le temps. J'avais le temps, moi. De finir ma partie, de la sauvegarder et d'emporter ma PS3 avec moi. Parce que qu'est-ce que je fous de m'avoir tant pendant 2 heures en train d'attendre ce putain d'avion qui va jamais se ramener? Oh, tais-toi, petite vieille. Merci pour tout ce que t'as fait pour nous, Hubert. Grâce à toi, on a une chance de survivre. Tu sais, malgré tout ce que tu me reproches, le petit reste ma priorité. Oh, je suis là, hein, je vous rappelle, juste pour dire. Hein. Mesdames et messieurs les passagers, des tsunamis comme celui de Washington ravagent le monde entier. Seul l'Himalaya semble épargné. Des installations y ont été construites pour sauver une infime partie de l'humanité. C'est là que nous nous rendons. Du coup, est-ce qu'un de vous deux peut enfin me dire ce qu'on fout dans ce putain d'avion? Mais regarde par la fenêtre. Hein. Je suis très content d'être encore en vie avec vous. Hubert, t'as toujours été un frère pour moi. Je sais, c'est les espérances qui créent la fraternité et pas le sang. Non. Je suis désolé, mon figa, de pas avoir été assez là pour toi, pas effectif. Tu me pardonnes? Ouais. Mais dis, j'aimerais que. Tu peux encore te poser une question? Ouais, vas-y. C'est quoi un tsunami? Je voulais que ça soit eux qui meurent, c'est moi qui ai échoué. Désolé, papa. Ah!